Enfin! Bon, salut tout le monde de la rediffusion, j'espère que ça va. Ah là là, quelques petits soucis pour commencer. Waouh, un peu stressant parce que j'ai changé de téléphone. Donc un début de live un peu chaotique, faut se remettre tous les codes, tout truc. Hop, ça marche bien. Le micro est Toute activé. matinée pendante au complet, Clara devant ses moniteurs, T-Bone pour m'aider à m'introduire chez Irak et Jordi. Ok. Jordi fait ce que Jordi fait d'habitude. Purée, enfin. Voyons ce qu'Irak cherche tellement à protéger. Du mal à me connecter, parce qu'il faut que je mette tous les mots de passe et tout, c'est vraiment relou. La mission, non, pas encore. Faut attendre. On va attendre. Merci. C'est où? C'est là. J'ai pas vu. La mission principale. Qu'est-ce qui s'est passé? Aponi. Oups. Mes condoléances. Je vais devoir entrer dans Rossi Fremont. J'ai besoin de ton aide. Tu ne peux pas assez pour que je mette les pieds dans ce trou. T'auras pas à le faire. J'ai besoin de tes talents, sniper. Encore? Bon, ça devrait être faisable. Hey, tu ne sauras jamais où je suis. T'as totalement raison. Je suis en train d'arroser ta plante. Maurice? Passe-le-moi. Quoi? Qu'est-ce que t'as pareil? Si tu parles pas, tu bougeras pas. Oh non! Sans bruit, pitié! Je sais pas qui c'était! Tu comprends pas, j'ai été piégé! Je peux pas. Je peux pas m'empêcher de voir cette petite fille! Elle me regarde! Ferme-la, je t'ai dit, ferme-la! Arrête de chouiner, toi, retourne dans ton coin. Putain, Pierce, qu'est-ce que tu lui as dit? Retrouve-moi là-bas. À Rossi Fremont. Ok, j'y serai. Bon. Ça, on l'a déjà vu hier soir, donc c'est... Enfin, hier soir. Bah, et du coup, pour vous aussi, vu que la dernière épisode, c'était hier. Donc ça va. Pas trop de décalage. Nous apprenons qu'une importante canalisation de vapeur aurait explosé. Nous ne savons pas encore s'il y a des essais. Bon, c'était plein de trucs, nous. Nous donnerons l'information dès que possible. Bon, tu as beaucoup trop de messages pour que je puisse en caler une, là, à un moment. Pour se calmer. Bon. Voilà. T'as été éduqué où, toi? Voilà, même à la mission. C'est du direct. Ce coup-ci, on oublie Bad Bug. J'y vais seul. J'ai vu l'intérieur, je connais la salle. Irak est quelque part là-dedans. Il va vite comprendre que j'arrive. Il sait ce que je veux maintenant. Cette fois, je repars avec tout. Ok. Du coup, pénétrer dans le quartier général. Donc, dans Rossi Fremont. Ça va pas être une partie trop de plaisir. Même si, bon, on est quand même pas mal armé. C'est pas bon, ça. Ok. On va faire simple, hein. Hop, voilà. Ça y est, je suis à Rossi Fremont. Je te vois. Bon, tu vas me dire pourquoi on cherche la merde à ces mecs. Tu veux vraiment savoir? Pas vraiment, non. Il y a un ordinateur à l'intérieur. Oui, non, mais ça va, c'est bon. En fait, la vérité, c'est que je m'en fous. C'est juste pour discuter. Arrête-moi cette merde, putain! D'accord, avec plaisir. Non. C'est temps. Ok. Il est pas en l'air? Non, je sais pas où il est. Au pire, c'est pas grave, il est pas trop gênant. On est pas obligé de tous les tuer, on fera la... pour avancer. Tout petit, ce que moi j'aime bien. C'est bon. Tiens. Ah, putain de flingue! Tu l'as loupé, Jordi. Ouais, c'est bon, je voudrais bien t'y voir, toi. Bonjour, toi.
toi. Yeah, t'as vu comme je suis bon? Non, j'ai pas vu parce que papa m'a tu l'as raté. C'est quoi ce bordel? Je m'attendais à des gosses avec des armes en mousse, on dirait des putains de militaires. Je te présente les Viceroy. L'Irak a une approche différente du contrôle des rues. Ben, ça fout les jetons. Ah, oh, les jeunes d'aujourd'hui. Putain, il en sort de partout. T'es sûr que tu veux aller là-dedans? J'en ai aucune envie, mais j'ai pas trop le choix. C'est ça ton problème. Tu réalises pas qu'il y a toujours une meilleure option. Tu restes bloqué sur cette petite aventure qui n'apporte jamais rien de bon. T'as fini? Pour l'instant, allez. Hé, hey, arrête de manger les mecs! C'est la merde! Attaque! Mon cheval, j'ai rien à faire! Dans ta gueule! Wow, le mec il faut en charger. Il faut un chargeur complet pour Cam. Attention. 50 en or. Seulement deux. Ok. Dans le mille. C'est vraiment la merde là. C'est un peu compliqué avec du sniper. Hey, tiens mon putain de... Une oscillation de ouf. Qu'est-ce qu'il me veut encore avec Instagram? Rien, ça va. On continue l'approche discrète. Hein. Même si bon, c'est pas vraiment le meilleur départ. Clara, tu peux m'ouvrir cette porte? On est sur le coup. Tibone dit qu'il a une idée. Ouais. J'utilise mon système de cryptage sur les portes de sécurité. C'est difficile de le trafiquer à distance, mais ta petite copine a eu une putain de bonne idée. Si t'arrives à couper l'alimentation de la porte, ça va rétablir le code base pendant une demi-seconde. Et tu le connais ce code base? Ouais, c'est même moi qui ai écrit l'algorithme. Alors on essaie. D'accord. Et comment j'ai ce... l'alimentation électrique? Après, je pense qu'avec un blackout... Ouais. Ça a marché. Et non merci en personne. Sauf dans Aiden. Ok. Maintenant ça va pas trop compliqué. Ok. Franchement ça va être compliqué. Hein. Attendez deux secondes, je ferme ma porte. Normalement c'est dur en ce moment. Alors, est-ce que toi tu peux y retourner là-bas? Ou non, faut que je te finisse encore une fois comme ça. Hop. C'est toi. On va être stratégique. Tu te prends pour un super champion des réseaux. Et pas moi aussi. C'est l'Irak qui veut nous parler, hein. On va répondre. C'est un plaisir, l'Irak. Tac, moins 1. Tac, moins 2. Ouais, ça va, ça reste des ennemis, quoi. C'est pas comme si c'était boss, quoi. Putain, ouais. On a tout vu avec les injections, qu'est-ce que ça donne quand on commence à faire des boss Unisoft. C'est un peu bizarre. Hop, continue à faire des ennemis classiques, on est bien avec. Ah. En vrai, c'est un peu trop puissant, on va prendre la gobelin, voilà. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est le manque de politesse. D'accord, le manque de politesse.
vois pas trop rapport, mais d'accord, si pour toi il y a un manque de politesse, bah. Enfin, j'ai pas toqué pour rentrer chez toi. Non, non. Par contre, je peux pas t'avoir comme ça. Quoi. Bon, bah, toi, je vais t'avoir à la grenade. Pour une fois, c'est la one shot, de base, c'est le tout. Ah non. Ah non, pas forcément. Il a fait des springs, voilà. Pour moi, il était mort. Hein. Je jure, là. J'ai plus de batterie. J'attends que ma batterie elle monte. Sans au pire il foncera dessus et il se fera descendre à ce moment-là. Bon, voilà. Tac. Ah, composant chimique, ça c'est pas mal. Alors on va juste monte, ouais. Monte, voilà. Excellent quoi? Tireur, ah ouais. On a bien remarqué. Hein. Tac. Ah, du moins, moi je suis pas forcément excellent, mais j'ai des balles. Donc c'est pas comme si c'était trop compliqué. Hein. Je pense, un peu style à The Last of Us, j'aurais moins de balles. C'est vraiment complexe. Y'a quoi par là? En fait, y a plusieurs méthodes pour approcher un endroit quoi. Par le côté. Ok. Ok, un big. Ouais, je vais devoir le finir au point, ça va. On continue, on avance vite. Ah, l'enregistrement. Mais ouais, je suis prêt pour ça, mon gars. Je suis prêt à tout, mon gars. Je pourrais pas rester bloqué là. Je vais dire pourquoi, parce que bah. Parce que flemme. En vrai, j'adore leur bâtiment, sérieux. Impossible à tuer. En vrai, j'ai l'impression que leur tête à la fin, c'est des vrais gilets pare-balles, tu vois. Certains ils prennent pas. Hein. J'ai du carton dans le noir. Ils ont abattu des murs en protection. Ils sont prévoyants les boules. Y'a quoi intéressant ici? Ah, de l'argent. Bad bug. Enfin, bad bug. Hop, ça va quand je le fais. Parce qu'on meurt. Ce petit bâtard a envie d'une raquette? Je crois qu'on est baisé, mec. Tu veux me faire bosser ou quoi? Bah bouge pas, va. Tac. Trickshot. Il est grand, meurt. Ah, il est derrière quoi? Derrière quoi? Y'a rien. Des fois, il donne des conseils un peu. Non. Alors attends, ici il y a forcément quelque chose, non? Non. C'est une salle inutile. Et là derrière, il n'y a même pas un enregistrement, on se fait récupérer, c'est vraiment dommage. Bon, attendre. Pirater, ok, là aussi il n'y a rien. Radon. Allez, les serveurs, on va s'en occuper. Voilà. C'est bon, Clara, j'y suis. Tu vas bientôt recevoir des trucs. Oui, je le vois. Ça commence à arriver. Ça monte, ouais. Yvonne se mettra sur le décryptage une fois que le transfert sera terminé. C'est vraiment gros comme téléchargement. Je peux pas bouger. C'est l'arme principale d'Irak, son moyen de pression. Il accumule toutes ses infos depuis des années pour faire chanter les gens. Ok, c'est bon, on a tout.
Maintenant, ramène-toi, Aiden. Thibaut a lancé le décryptage. C'est bon, j'arrive. Ok, quitter reciffrement. Ah non! Pas déjà! Oh, bon, je voulais faire le. Dommage. Du coup, ce sera peut-être la fin de l'acte 3, j'imagine. Peut-être c'est maintenant. Oh, sa mère! Irak, te voilà, toi! Crispin? Non, qu'est-ce que je raconte? Pierce, c'est ça? Toi, c'est Pierce! Celui des enchères! Irak! C'est toi qui me pourris la vie, connard! Parce que ça fait pas semblant en ce moment, moi je te le dis! Bouge pas, enfoiré! Je vais pas te laisser t'en tirer comme ça! Ah, comment lui il est sous ses deux mains! Et tu reviens fouiller dans mes affaires! Il est super serein! Tu veux mes plans? Irak, ils sont tous dead! Alors c'était toi, l'autre hacker du Merlot. C'est ma monnaie d'échange. Mon chef-d'œuvre à moi. Et toi, t'essaies de me le piquer? Tu m'as volé quelque chose qui avait bien plus de valeur à mes yeux. Moi, je t'ai piqué un truc. Putain, je te connais même pas. Ah, explosif avec téléphone, pas mal, hein. Bon. Maintenant, on va poursuivre ce petit malin. Et on y est. Tu veux me chercher la merde, c'est ça? Tu rentres chez moi et tu veux me voler mes trucs? Tu sais qui je suis, bâtard? Tu sais? Allez, énerve-toi. Franchement, un petit minable qui veut jouer au gangster. Anthologique. T'as tout faux. Allez, ramène-moi tes troupes. C'était la petite pute de Lucky Queen. Va chier. Va chier. Ah, franchement, sa manière de s'énerver, elle me fait un petit rire. Genre, il s'énerve. Il s'énerve pas. Ouais, ouais. J'en ai connu plein de corps, toi. Des enfoirés qui se croient supérieurs. À l'arrivée, j'ai traîné leur cadavre dans le désert. Sympa. Bon, c'est quand tu fermes tes troupes. Je vais te renvoyer chez toi, tu vas voir. Mais toi, on a son morceau, hein. Et quand j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai de ta famille. T'as une femme et des gosses, des frères et des sœurs. Tu te souviens bien, je te soutiens. Bâtard. Compréhensible. Allez, ramène tes troupes. Reste pas, y'a personne qui va venir sauver ton petit cul. Sniper est neutralisé. Et la police ne viendra pas te faire chier. Ici, la police est morte. Tu vas crever tout seul. Je t'aime bien, Irak. Écoutez-moi, c'est enfoiré. Ouais. Ramène donc tes petits pions, tiens. D'accord, ils sont là. Hop. Bon, un. Pourquoi je me fais trop attaquer mes munitions, voilà. Faut pas faire la guerre à un soldat, mec. Oh, elle est belle cette phrase. Tu crois vraiment qu'on est potes? On tape la discute? Bah ouais. Je vais me barrer avec tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Il y a Jacques Richard qui demande qu'à cracher leur pognon. Toi, tu me voles? Mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Les secrets, ça circule. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. C'est la malédiction du pouvoir. Oh, c'est pas une négociation, là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. Tu vas voir, je vais faire la misère. Ah, le voilà. Ça? Coleman et André, recherché pour moi. Allez, viens là. Viens là, viens là. T'es dead. Quoi? Ça marche pas? Non. Je jure, ça. Frère, j'ai l'amélioration pour. Waouh, je commence à avoir flou là. Attends. J'ai l'amélioration pour les downs, mais ça veut dire que lui ça marche pas, genre. C'est The Best. Plus vite. Un petit minable qui veut jouer au gangster. Ça va être long, hein, parce qu'il va refaire le même speech. T'étais la petite pute de Lucky Queen. Va chier. Va chier. Bon, je sais pas comment ils ont fait pour spawn là, parce que ouais.
J'en ai connu plein des comme toi. Des enfoirés qui se croyaient supérieurs. À l'arrivée, j'ai traîné leurs cadavres dans le désert. Waouh! Quand on s'ennuie. Je vais te renvoyer chez toi, tu vas voir. Mais pas en l'insouffrançant, hein. Et quand j'en aurai fini avec toi, je m'occuperai de ta famille. T'as une femme et des gosses, des frères et des sœurs. Tu te souviens bien, tu te souviens bien. Par contre, vraiment, les bâtiments explosés comme ça. Oh. Vraiment, la ville, faut faire quelque chose, hein. Reste pas, y'a personne qui va venir s'ouvrir ton petit cul. Ton sniper est neutralisé. Et la police viendra pas te faire chier. Ici, la police, c'est moi. Non, c'est grave. Merci de me rappeler. Bon, tu me remettes des troupes. Écoutez-moi, cet enfoiré. Merci bien. Où ça? Ils sont là. Oh non, alors par contre si je suis lancé le début ça va pas aller. Hop voilà. Faut pas faire la guerre à un soldat mec. Tu crois vraiment qu'on est potes? On tape la discute? Mais me barrer avec ces fichiers, tu sais. Je vais poser les mines. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, va voler. Peu à peu. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Une cage à gros richards qui ne demande qu'à cracher leur pognon. Oh, les mines. Pourquoi tu me le voles? Mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Comment? Les secrets, ça circule. Oh. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. Ça marche, non, j'ai vu la balle. C'est la malédiction du pouvoir. Tu peux mettre la balle. Elle est où? C'est pas une négociation, là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. Y'a personne qui ligue, mon frère. Ah d'accord, tu prends derrière. Ça, tu fais une tombe, toi. Mais non. Ah oui, ok. Non, c'est bon. Ouais, c'est un moment. Wesh. Il a 26 balles le mec. Il s'est pris 4 patates à un moment, ouais. Il est sacrément drogué hein, pour réussir à survivre tout ça. Irak protégeait une énorme quantité d'informations qu'il utilisait pour faire du chantage. Démobilisé avec les ennemis. Il cherchait quelque chose d'encore plus important. Il était vraiment de l'armée, mais... Il voulait la vidéo du Merlot. Il n'aura pas réussi à la retrouver. Vétéran de guerre, 26 ans. Viceroy ne mettra pas longtemps à se regrouper et à choisir un nouveau leader. Quant à Bellbug, c'est sa chance de quitter tout ça. J'espère qu'il la saisira. À la limite, Irak plus puissant que ses gardes du corps là. Ça c'est drôle ça. Genre, c'est comme certains acteurs, ils font 2 mètres de haut. Les mecs, c'est des. Genre, The Rock. Imaginez The Rock, il est un garde du corps, genre. Vraiment que le mec il fasse littéralement 10 cm de plus que lui et 2-3 kg de plus, il n'y a aucun moyen qu'il le soit. Ça c'est fait, d'accord, donc du coup je pense qu'on a fini l'acte 3, voilà, donc on